vas là et toi ici. Attention, 3, 2, 1, départ. On va encore être en retard. Non, non et non. Écoute-moi, il faut que tu ailles à l'école. C'est important pour toi d'être bon à l'école. Et range les escargots qui traînent par terre. Je ne veux pas aller à l'école. Hé, hey, parabole, alors on capte quoi aujourd'hui? Bonjour les enfants. Alors, prenez vos téléphones. Aujourd'hui, on sera. Nous allons faire du disque. Alors, écoutez ça. Paul, Sylvie, sorti de chez lui par ce blanc manteau d'hiver. Par ce blanc manteau d'hiver. En cette saison, les feuilles avaient disparu. Il ne restait plus que les arbres nus à perte de vue. Hé les gars, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut obliger la poser? Vraiment, Louis, t'es complètement à côté de la plaque, mec. Allez les enfants, vous écoutez bien, surtout. Installez-vous. Je vais vous présenter mon exposé. L'escargot a des cornes. C'est comme des antennes. C'est pour voir ou sentir. Laissez-moi parler. La coquille qu'il porte sur son dos le protège. Taisez-vous. Allez Louis, l'heure de dormir. Range ton affiche. Tu vas où? Attends-moi là. Où vas-tu? Escargot, où es-tu? Tu es là. Et donc, c'est aussi grâce à Barcelone que Lionel Messi a pu être élu 4 fois Ballon d'Or. Il reste pour moi le meilleur joueur de foot. Mon exposé est terminé. Bien, il ne reste plus que Louis à passer. L'escargot a deux cornes, c'est comme des antennes, c'est pour voir ou sentir. C'est comme ton entête qui te sert à écouter. Gabriel, laisse-le parler. La...
La coquille qui part sur... L'escargot est sourd comme moi. Et je comprends pourquoi il a une forte coquille. Car il se protège des autres qui l'agressent. C'est facile de se moquer de lui parce qu'il est lent ou parce qu'il a un truc à porter. Comme moi, je porte mes appareils. Désolé, Louis. On n'avait pas compris. Comment ça fait de ne pas entendre? Je ne sais pas, parce que je n'entends pas. Mais pour vous, comment ça fait d'entendre?